YouTube, Natomadi vous dit coucou, et en plus, il s'agit de l'épisode numéro 5 de Unforeseen Incidents. Donc on va tenter de speedrun la fin, il reste un chapitre, on est au début du chapitre 4, voilà. J'ai anticipé Nato, t'as vu? Ok. Alors, on a le petit puzzle à faire. Bon, je vais devoir investir dans un mixeur audio, car depuis que j'ai un PC fixe, j'ai le PC portable stream, c'est du caca à gérer. Ah bah oui, quand avec un ordi stream, c'est beaucoup plus sympa avec une table de mixage. Ni d'une table qui prend des USB auxiliaires. Eh ben, je peux te parler de... On peut en parler après, si tu veux, le mixage. Je peux te filer la table que j'ai, qui est franchement sympathique. Après, je suis... Je suis en analogique hein, aussi. Enfin, la table est USB, mais mon micro est XLR, quoi. Ok. Non, il y a pas. Alors, donc le petit puzzle qui fait plaisir. Tac, tac, tac. Je sais absolument pas comment on va le gérer. Probablement plutôt comme ça. Non, comme ça. Tac. Voilà, nickel. Donc les trois là sont prêts. Ensuite. Tac. Ah. Quelque chose me dit que ça va être plus compliqué que ça n'en a l'air en fait. Donc ça peut être comme ça, ça peut être que comme ça. Par contre, on peut le faire comme ça. Tac. Ah, si ça se trouve en fait. Qu'il faut d'arriver à celui d'en bas en fait. Genre t'as ça menu principal. Non, c'est au début de chaque chapitre, il faut faire ça en fait. T'inquiète pas. Ton micro est USB. Ah ok, bah la table de mixage que j'ai ne fonctionnerait pas pour ça là. Ok, à mon avis. C'est dommage parce que. Parce que là, on sent bien que c'est juste pour ça, en fait. Hein. Ok. Attends, je vais tout virer. Donc, ça arrive de là. Par là. Là. C'est gâché si on fait ça. Donc, ça, c'est nickel. Par là. Je peux la faire arriver comme ça. Est-ce que ça a un intérêt? Pas forcément. Tac. Là, ça sert à rien. Je sais plus, voilà le jeu. Merde. Chiate, parce que je vois pas. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça là. Deux secondes. De toute façon, on va chercher. On va prendre le temps qu'il faudra. À mon avis, ça. Comme ça. Tac. Tac. Voilà. Ok. Nickel. Donc là, on aurait celui-là. Mais je pense qu'on va plutôt le déplacer comme ça. Comme ça. Hein? Ah merde. Ah, ce ballot. Ok. Comme ça alors. Si je bouge celui-là, on est toujours bon. Ça vers le bas. Ok, voilà. Nickel. BWET Talk Radio. You're listening to Backwoods Radio. This is Bobby. Duke didn't show up for work today. We're trying to get in touch with him, but James, if you're listening, buddy, jeez, I can't do this. I'm sorry, I have to get out of here. Stay safe, guys. Lol. Okay. Damn, it's cold. Coming here was the dumbest idea ever. That's what I tried to tell you. I said we have no way of finding Aquila HQ.
I said we don't know for sure if that's even where they took the professor. I said even if we get lucky and find McBride, we have no way of rescuing him. You should have said something. Oh! Ok, alors pour ceux qui n'ont pas vu la fin hier et puis ou qui n'ont pas vu le début du jeu, on joue le rôle de Harper qui cherche qui enquête sur une espèce de conspiration, une entreprise qui s'appelle RHC, pardon, a apparemment déployé une maladie, a créé une épidémie de fièvre appelée la fièvre de Yaltarn. Et on essaie d'enquêter pour savoir pourquoi et comment faire pour l'arrêter, etc., etc. On est avec Halliwell qui est là, ça c'est Harper, et normalement le professeur McBride qui nous aide aussi, c'est le scientifique du groupe, et qui s'est fait enlever. Donc là on essaie de retrouver notre pote le professeur. Coucou Koïma, bienvenue. Yo. Alors. What should we do now? We should try to find out more about Kahona. Anything that might lead us to the bad guys' HQ. Okay. Why do you think they took Professor McBride? Well, he told us he'd discovered the vaccine. But if they wanted to stop him making it, they could have just killed him. They kidnapped him, so that must mean they want something from him. And that means he's alive. I hope so. Okay. Do you really think the professor is okay? I hope so. I just don't know if we can help him. We'll think of something. We did okay so far, didn't we? Since when did you become Joe the Optimist? Thing is, I really thought I was going to die back in Greystone. I've spent my whole life chickening out of stuff. But after I survived, things don't seem so impossible. That's good, Harper. But I kinda wish your journey of self-discovery didn't mean me freezing my cheeks off in Snowville. Okay, let's keep moving. Ok, alors, ça a dézoomé vachement. On en arrête de bus ici. That was the longest, bumpiest bus ride I ever had. Oh really? Were you sitting next to a cheese puff eating man spreader with BO? What are you talking about? I was sitting next to you. Anywho, on the plus side, I just found us a map. Bully for you. Is the secret Aquila headquarters marked on there? No. Bon, il faut qu'on essaye de speedrun le jeu. Attention, on a 2 heures, peut-être 3 si Elkinet est assez sympa pour le terminer. Ce serait bien. Iron First, coucou, bienvenue, comment vas-tu? Une ligne de pêche. Hey, mind if I borrow this fishing line? Mm-hmm. Was that yes you mind or yes I can borrow it? Mm-hmm. You know what, sir? There's surly, and then there's confusing. Ugh. Take it already. I got plenty. Thanks. You're the best. Mm-hmm. Comment ça va, Iron? The fisherman has a portable radio. I guess he uses it to check the weather reports and stuff. Pêcheur sur glace. Avec gelée. The surface of the lake is frozen solid. Weird to think that life is still going on under there. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? On a la carte. Old Kahona, New Kahona, Rankin. Je sais pas si ça veut dire qu'on peut aller là. On va pas y aller pour l'instant. Hey, hello, Will. Ah, merde. Yep. Okay, let's keep moving. On a une ligne de pêche. A good strong line. Et notre couteau suisse. On va lui causer. Merci beaucoup, Iron, pour ton resub. Hello. Evening. You folks lost or something? Why would we be lost? Most who come here are either lost or about to get lost. And you and your fella sure don't look like you're here for the ice fishing. Oh, he's not... I'm not a feller. Je suis pas un biquet, moi. Merci énormément, Aaron, pour ton resub. Du coup, ça me fait. Je voulais vous rappeler, si jamais vous avez eu si jamais on vous a offert un sub pendant tout le mois de septembre, vous pouvez prolonger de 1 mois. Ça ne vous coûtera que 1 euro ou 1 dollar si vous êtes
si vous êtes aux États-Unis. Coucou Tikanjia, bienvenue, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, ça coûte pas cher du coup et ça vous fait un mois de plus de sub. J'imagine que pour moi, ça fait comme un sub normal, après j'en sais rien. J'ai pas l'impression que le nombre de subs a augmenté après le sub d'Iron. Mais bon. Ok. Good to meet you. My name's Harper. This is Halliwell. Jay. Pleased to meet you, Harper and Halliwell Jay. Halliwell Jay. James Burrell. Ok. Vous habitez ici à Kahona, ouais. Do you live here in Kahona? Oh no. I live across the lake in Rankin. I'm just here for the perch. Good, quiet place for fishing. Comme un somme normal, tu touches 2,50€. Ok, c'est juste que j'ai pas vu le nombre de... Le... Genre hier, il y a eu deux personnes qui ont récup comme ça le sub, et le nombre de subs a pas augmenté en fait. Donc peut-être que c'était une coïncidence. Et qu'il y a eu deux personnes, enfin deux abonnements qui sont arrivés à terme. Je sais pas. C'est pas que juste après un gift sub, il faut donc se fier sur le bonheur des autres. Bah oui. Bah c'est... Voilà, hein, c'est une façon... Enfin, c'est cool. Pour une fois, c'est pas une façon juste pour Twitch de se faire des thunes. Mais ça permet aussi de payer moins cher, quoi. Jusque le gifted va être prolongé une fois expiré. C'est ça. Allez, d'accord. Ok, c'est pas un resub, d'accord. Ok. Ok. Ouais, logique, Lumi. C'est pour ça que ça augmente pas, d'accord. Tout à fait logique. En tout cas, merci encore, Iron First. Is there anyone living here? Not to my knowledge. They closed the mine after the outbreak in 92. Never reopened it. My wife is more superstitious than me. Doesn't like me getting this close. Kahona's a real ghost town. J'ai l'impression. What do you know about the outbreak? They looked into it and discovered it all started with a shipment of contaminated corned beef. I heard the importer lost his license. Okay. Hardly seems like justice with damn near a whole town dead. Are they biting today? They're down there. Just have to be patient. What are you using for bait? Most of the younger folks use those fancy soft baits that wriggle like crazy. I prefer live bait. Seems fairer somehow. Ok, j'ai le droit à une heure de plus. Ouais, donc on va essayer de se speedrun la fin. Comment aimes-tu ce jeu? J'adore Tikanjia. C'est un bon point and click à la old school, donc c'est super cool. Et en plus, les graphismes sont plutôt originaux, donc il a vraiment sa propre ambiance en fait, tout en gardant le gameplay qu'on aime bien, nous fans de point and click, donc, donc voilà. Merci Elkinet. Voilà, je lui ai dit. Elle a dit de rien. Ok. Pretty depressing radio, huh? Yep. Probably for the best that the battery died. Especially with that interference scaring the fish away. Hmm. L'interférence... font peur aux poissons, ok. D'ailleurs, bah, du coup, hein, les gens, vraiment, on a 2h, 2h, 2h40 pour le finir, donc n'hésitez pas à proposer des idées, sauf ceux qui y ont joué, mais je crois que personne n'y a joué à ce jeu-là. Alors, l'épidémie dont on entend parler à la radio, c'est quelque chose. Does the outbreak on the radio sound familiar at all? C'est de se concentrer aussi. What do you mean? Does it remind you of what happened here? In Kahona? No. It couldn't be the same thing again. No. What interference? Didn't you hear it? Every now and then you get some noise interfering with your station. People say it's the weather, but it's darn annoying, I'll tell you that for nothing. Et regardez les arbres derrière, quoi. On dirait presque du Bob Ross, franchement. Hein? Any idea where the interfering signal might be coming from? Coming from? I never really thought about it. You think it might be a military broadcast or something like that? Something like that. Could I borrow your radio? Borrow it? What for? I'm kinda interested in tracking down that signal you mentioned.
I told you the battery died, right? Sounds like a fool's errand to me. Do I look like a fool, sir? Okay, you can borrow the radio, if you can find my water hook. C'est qui Bob Ross? C'est un vendeur de mugs, lol. Je te conseille, regarde sur... sur Google si tu veux Twista, mais c'est un peintre. C'est un peintre qui est décédé et qui est réputé pour. Il donnait des cours en fait de peinture à la télé en fait. Il avait une émission à la télé, je sais pas combien, 15 saisons, un truc comme ça. Et il est réputé pour sa positivité en fait. Où, tu vois, il parle de. Il fait ouais. The happy little trees là. Il crée des arbres, il peint des arbres, et puis il fait « Oh, regardez comment ces arbres sont contents, ils sont heureux de vivre, tout ça, blablabla. » Du coup, il a sa propre griffe, on va dire. Et Twitch, il y a une chaîne Bob Ross, d'ailleurs, où il y a du... Je la follow, d'ailleurs, je la suis. Où il y a du Bob Ross qui passe en boucle. Et voilà, c'est cool. Ça m'est arrivé de m'endormir sur du Bob Ross, et c'est très bien. Okay. You need a water hook? Yup, I must have lost mine somewhere up in the old village. And you want me to look for it? It's like a fishing hook, right? Exactly. Smart young fella like you shouldn't have any trouble. Okay, deal. I'll keep my eyes open. Okay, faut lui récupérer un crochet. Boy, it's cold up here. You tenderfoot should have dressed warmer. Tenderfoot? Who are you calling a tenderfoot? The fella wearing sneakers on the ice. Talk later. Oh boy. I suppose he keeps the volume low. Ok, est-ce qu'il y a autre chose par là? Ouais, je suis tout à vous désolé, commander un nouveau PC car mon portable est en PLS. Ah, c'est la fin, merde. Je suis désolé. Ah, on peut aller là-bas, dis donc. We don't make mistakes, just happy little accidents, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bâtiment. These buildings look like they've seen better days. Or maybe they haven't. Just years and years of bad, bad days. Là, je suis en train de me demander, du coup, on est où là? Je comprends pas trop. On est à Old Kaona, probablement. Bâtiment. This place is really run down. The fishermen called it a ghost town. Totally abandoned. Totally. The whole town to myself. I could get used to this. Why am I not surprised you like it here? Ok, on avance. Une porte. Y a pas de signe. Y a l'air d'avoir un escalier. Y a une machine en haut. On regarde la porte déjà. No answer. Ok. It's locked. Est-ce qu'on peut... Non, ça suffit. No answer. Est-ce qu'on peut potentiellement utiliser le tournevis? I guess this is as good a place as any to start looking for a water hook. Yes. Ok. Man, it's dark in here. Il fait sombre, effectivement. Sauf qu'il y a l'intérieur. This must be the power switch. Cool. Oups. Pas cool. I think that bulb tripped the circuit breaker. Donc il faut trouver une ampoule et un fusible, c'est ça? Oh, it's too dark. I can't see anything. On a rien pour faire la lumière, évidemment. Tableau de commande. Oh, it's too dark. Ok, d'accord. Si je le rallume. Well, the RCD keeps tripping. I need to sort out that busted light bulb. Ok. Mais on va pas pouvoir la changer, l'ampoule, s'il fait trop sombre. Ok, bon, faut trouver une ampoule. Faut trouver un crochet. Il y a une machine. This must be some kind of aerial tramway for carrying the ore down from the mine. Ok. On avance. Apparemment, il y a rien par là. Ok. On va revenir en arrière. Euh...
pas, on peut pas aller à droite. Est-ce qu'on peut aller par là-bas? Oh merde. On peut même pas aller là. Ok. Est-ce qu'à l'arrêt de bus, il y aurait pas une lampe? The bus doesn't come around again. We have plenty of time to get lost. Ok, il veut pas. Ah. J'ai halluciné ou... Ok, j'ai halluciné. Donc maintenant, sur la carte. J'imagine Olcaona, on arrive. Voilà. Ok. Donc si, est-ce que je peux aller à là? On peut pas aller à la mine. Rankin, on peut y aller, on peut pas y aller. New Kaona, on peut pas y aller non plus. Ok, donc on peut aller que dans ces... Il y a juste deux zones en fait. Ok, super. Quelqu'un a vu une ampoule? Parce que moi j'ai pas vu. On peut pas monter l'escalier. Si. These buildings, or maybe they have... Ouais, super, parce que... Ok, alors peut-être. Peut-être qu'on peut faire un truc, là. Genre... I can't make those things work together. Je sais pas, moi. Ah, on peut avancer, en fait, autant pour moi. Ok, cool. J'avais pas vu ça. Ah bah voilà. On y voit plus clair, là, déjà. Une veste. Oh, I should be wearing a jacket like that, except not frozen to a chair. But that synthetic fur hood sure looks good right about now. Ok, bah des coupes là, avec des ciseaux. The jacket is frozen, but the hood might come in useful. Ok. Nous avons une capuche. The jacket's hood looks really warm. Ok, on peut réchauffer quelque chose avec ça, j'imagine. Coucou Avia, bienvenue. June 1992. Wow, that's like pre-Jurassic Park. On vient juste de reprendre Unforeseen Incident, Avia, donc t'as pas loupé grand-chose. Bon, y voir. Hey, a kettle. Ok, on va pouvoir faire du thé, ouais. Old cigarettes, newspapers, scribbled notes. Ugh, there's still some coffee in these mugs. At least it's frozen. Ok. Y'a rien de spécial là. Y'a la cuisinière. An electric stove. It won't work while the power's off. Ouais, forcément. Ok. Calendrier, on l'a déjà regardé. It's empty out there. I wonder if this is what Yeltown is like now. Ok. A lot of... This place must have seen... On peut pas le... Non. I don't think I need to Ok, je m'attendais à trouver une ampoule ici, mais apparemment pas. Hmm. Y a pas une ampoule dans le four. C'est pas idiot, mais on peut pas l'ouvrir. An electric stove. It won't work while the power. Ou alors, je le démonte. I'd rather not. Il veut pas. Mais c'était pas idiot. Ligne de pêche. C'est en plastique, hein, les lignes de pêche, on est d'accord. I don't want to tie and slash or garrote that. Ok. Non, sur le casque, c'est le premier truc auquel je pensais, parce que effectivement, on dirait qu'il y a une ampoule là, mais ça fait partie des détritus sur la table et on peut rien faire. On peut pas interagir avec le casque particulièrement en fait. Calendrier. Ben. Mais ouais, c'est bien, c'était bien vu, effectivement. Est-ce qu'elle, elle me dit un truc? Hey, Hallowell? Yep. How do you like Kahona? I don't know what I like best. The rusty mine machinery or the abandoned buildings. Would not recommend to a friend. I like it. Reminds me of Yeltown in winter. But with a little more razzmatazz. Razzmatazz. Pretty cold, huh? Damn right. Pity my jerk editor wouldn't spring for snow coats on expenses. Par contre, I'm wishing I could change my outfit too. Damn budgetary constraints. Okay,
Let's keep moving. C'est un peu con, elle a remonté ses manches, du coup, elle doit se... C'est pas logique. Non, l'armoire électrique, là, non, on peut pas... on peut pas. Y'a rien. Y'a rien. Tac. J'ai l'impression qu'il y a vraiment rien. J'ai l'impression qu'on a tout chopé, en fait. I wonder who the owner of this jacket was. It's an expensive jacket to just leave behind. Je vais peut-être continuer à découper la veste, mais j'en doute quand même. The jacket is frozen, but the hood might come in useful. Mais je l'ai déjà prise. Ok, on va pas chercher. Ok. Ok, on va revenir. Donc là, je vois pas trop ce qu'on aurait pu manquer. It's too dark. On voit rien. Est-ce qu'on peut grimper en grenade gelée? It's too dark. Pas grimper là? Non, on peut pas. Ok, bon, on sort alors. Oh là là, Miala! Merci beaucoup pour la continuation de sub. Je devrais dire. Et GG à toi. Ok. Bon. Bâtiment. This place is really run down. The fishermen called it a ghost town. Totally abandoned. A whole town to myself. I could get used to this. Why am I not surprised you like it here? Zewin, c'est maître S-spam. Yes, spamé, ouais, faites les faux. Je rentre parce que je vois pas autrement où il pourrait y avoir autre chose. Il y a forcément un truc qu'on a oublié ici. Donc là, il y a l'interrupteur, on peut pas. L'ampoule, on peut pas. Il faut que ça allume. Là, je me demande, s'il fait trop sombre ici, je vois vraiment pas comment il va faire pour changer l'ampoule, si on en trouve. Tableau de commande, ok. Qu'est-ce qu'on a pu oublier ici? Prise de courant. I wonder if this power outlet still works. Mais comment on va le savoir? Je ne sais pas. Placard où ça? Placard. Oh, placard! Ah! Ah, ah, dites donc, des ampoules! You know, the guy who invented these was actually getting pranked. GG, the 50s, nobody thought you could frost bulbs without the glass breaking. So as a practical joke, okay, they told new engineers to try and invent them. And then one guy actually did. A practical joke? Yeah, like when you send out the new kid for a long stand or striped paint. Or a water hook? A water... God damn it! He tricked me. Okay, on a des... Merci Miala qui offre un sub à Alexandre. Merci, merci beaucoup GG Alex. Et GG à vous deux. C'est cool. Et ben voilà, Alex, tu peux maintenant resub pour un mois de plus pour 1 euro. Voilà. Merci énormément. Ok. Et ça spam. Donc alors. On a plusieurs ampoules en fait. Verte, rouge et dépolie. Une bouilloire. Ok. Y'a rien d'autre. Bon, est-ce que je change les ampoules directement? Est-ce que ça va fonctionner? On va mettre des blanches, hein, des dépolies de base. À mon avis, ça va pas marcher parce qu'il voit rien. Ça marche, c'est débile. Ok, let's see. Oh, putain, this frosted light bulb should fit. Ok, on allume. Oh yeah. Woo! Ok, qu'est-ce qu'on a? Un grenage gelé. Oh, il va falloir le réchauffer. Hmm.
The gears are frozen. Est-ce qu'on peut mettre la capuche dessus? I can't do that. Non. Ok. I can't just smash the ice with the kettle. Bah si. Ok, avec le couteau alors. The ice is way too thick to chisel it off with the multi-tool. Je te demande pas de le gratter, je te demande de le casser. Ok, donc il va pas vouloir. Yo Goyam, coucou, comment vas-tu? T'as un four. C'est vrai que j'ai un four, t'as raison. J'ai un four. Non, en fait, comment je pourrais faire? Alors déjà, on va voir si le four il fonctionne. I wonder if the stove still works. Yes. Yes, it does. Faudrait remplir la bouilloire de glace, parce que j'imagine que si je la mets dessus. This'll heat the kettle up. Ah mais non, du coup, on chauffe la bouilloire et on va la faire sur la glace. Ooh, hot. D'accord, donc on va la prendre avec. Non, c'est bon. Ok, je pensais qu'il allait pas pouvoir la prendre. On peut changer l'ampoule par une autre. Probablement. Mettre une verte ou une rouge. Pour l'instant, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir. Donc alors, je mets ça là. Dis-moi que ça va chauffer la glace. Break time's over, Gears. Time to get back to work. Ha! Ok. Donc... I guess this is where villagers used to sacrifice goats to the mighty gear god Coglor. Coglor. Either that, or it's the engine for the aerial tramway. Okay. Coglor. Okay, the gears are clear. So, where is the deafening sound of heavy machinery? Let's see. Oh là là, oh là là, oh là là. Que se passe-t-il ici? Ok, je peux... Configure Select Configuration Sequence. Ok. Oh! Oh, Oh! Oh! Ok, ça change rien, ça clignote. À quand la suite de Déponia et le Kino? Oh là là, je ne sais pas encore. J'ai prévu d'autres trucs. L'année prochaine, mais je sais pas quand. Sur mes lumières chaudes, ça va fonctionner. Vous voyez, lol. Le schéma, ce serait plutôt rouge en haut et vert en bas. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Et du coup, en fait, il faut que ça... Alors, on va voir ce qui se passe. Ouais. Yes, it's working again. Ok, ben... YOLO. Alors là, YOLO, GG, YOLO. Je suis obligé. GG, YOLO, Je sais pas si c'est bon ce que j'ai fait, mais voilà. Ah ah! Obligé de dire GG YOLO là. Saut de minerai. Ok, the aerial tramway is working. I guess I can go up to the mine now. Great, I'll stay here and write a bestseller about your icy death. Hello, well. I mean, I'll operate the tramway from down here. Make sure you get back safe. Hmm. Darn tootin' you will. Mm-hmm. Merci. Sauvegardons d'ailleurs. C'est bien, il faut sauvegarder dans la vie. Voilà. Enfin, ça serait bien si on pouvait d'ailleurs... faire des quick saves dans la vie. Un clou de chemin de fer. Hey, this looks dangerous. I better remove it before someone hurts themselves. Ça s'appelle un clou, ça? Ok. Un saut de minerai, un pont, chemin.
Entrée de la mine. The boarded up entrance to the abandoned mine, where workers used to slave away in the dark, coughing their lungs up, working for the man. It's out of respect for those noble folk that I never did a real day's work in my life. Ok. On a un escalier, on peut aller là-haut. Machine. What a beaut. I used to dream of working on machines like this. Genre, il y a plein de personnes qui passent par rapport au clou. Ouais, mais c'est une blague, c'est pour dire que. Il prend le clou, quoi. Pont. Pont! Whoa, 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 ha ha! Jeez, that was close. Oh, I can't get across. The gap is too big. Gap is too big. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour retirer les planches? Comme une barre à mine. Say hello to my little friend. Yes. The principal of leverage. Nice. Ok, encore? Alors, on n'a plus. On met ça là? The boards bridge the gap, but they're very unsteady. I need to fix them in place. Ouais, et ben j'avais cette idée là aussi, on peut peut-être utiliser ça pour les. This should hold the boards in place, for now at least. Ok. Ok là. Donc maintenant on peut aller par là. On peut pas aller dans la mine. It looks real dark in there. Ok, il faudrait une lampe pour ça. Il nous reste toujours la capuche, le fil de pêche et les ampoules. On a quoi comme ampoule? On en a plus en fait, on a juste la boîte. Ok, je vais aller à droite quand même, avant. Ok. Avalanche warning. Guys, it's not really a warning if you put it at the top. C'est clair. Congratulations, you've reached the peak. Now, don't fart or you'll destroy a ski lodge. Il y a ma fille qui arrête pas de sauter en haut, ça m'énerve. Vu. All I can see is whiteness. Not a single living soul. Except that fisherman. Ok. Donc il n'y a rien en fait. C'est clair. Par la vue et la pancarte, on n'a rien d'autre, ok. Donc, maintenant on va aller à gauche. Voir ce qu'on a. Allez, Harper. Dépêche-toi. Putain, il doit se les geler quand même, franchement. The professor must be somewhere out there. I gotta find him. Il est quelque part sur cette planète, je pense. On peut redescendre. À quoi ça servit de venir là? Non, sérieusement. The signal must be coming from somewhere on this map. Ah, il nous faut la radio en fait. Il nous faut la radio. C'est on peut venir ici. Il faut venir ici avec la radio en fait. C'était quoi la radio, le problème de radio? Il manquait de. Il n'y avait pas de batterie, c'est ça? Hein. Ah non. Ouais, parce que là il y a rien d'autre. Hein. Ok. On est d'accord. Donc il faudrait trouver des batteries, des piles. Hein. Bon. Je suis déception là. Je suis déception. Ok, bon, on sort. Hein. On se casse. Hello. Harper, you okay up there? It's cold as crap, but yeah. Ready to come down yet? Bah oui, enfin non. Ouais bah si. Yes, do the thing. Il nous faut vraiment la radio là. On va lui causer va. Hey, hello well. Yep. Okay, let's keep moving. Super. Ok. Donc on va aller là, là et à la mine. Retournons là. Comment? Où est-ce qu'on va trouver des piles, franchement?
pied là. Hello. Sur le casque de mine. There's no such thing as a water hook, is there? It was just a little prank. First time a kid comes out fishing, we always send them looking for a water hook. Hilarious. Totally worth the frostbite. Don't get sore now. I was only pulling your leg. Here, take the radio by way of apology. If you can find a place to charge it, you can use it as long as you need. Ah, c'est des batteries rechargeables. Yes, on avait des... Yes, on avait une prise dans la cuisine. Ok, putain, ça progresse bien là, en fait. Si ça se tourne, on n'aura pas besoin de 3 heures. Quoique, bon, on verra. On va pas... Ne vendons pas la peau du kino avant de l'avoir abonné. Oh, mais c'est pas bien de laisser la cuisinière allumée. On peut l'éteindre ? I'll turn it off again. Ah, c'est mieux. Voilà. Ok, alors du coup, ça. Ok, let's get some juice in the old radio. I wonder who's paying the electricity bill. Pas moi. My guess? Someone with a secret radio tower. Radio. I hope the battery lasts long enough. Ok. La peau du kino. Tu veux ramener la peau du kino? Hey, hello, Will? Non, yeah? Je veux pas lui parler, okay. En fait. je veux me casser. Du coup, on va aller là. Du coup, on va trianguler là, comme on a fait avant. Darn it, I think. Yep, the radio battery died again already. It just doesn't seem to hold a charge in this cold. Oh, il faut la maintenir au chaud, là. The signal must be coming. The signal must be coming. Mais ta gueule. The signal must be coming. The signal must be coming. The signal. Putain. Il faut la maintenir au chaud. Donc le froid, ça décharge les batteries. C'est bizarre, non? Non? C'est normal? Quelle est cette diablerie? Je sens qu'il y a une logique, mais je la vois pas. Donc, est-ce qu'on la recharge avant ou est-ce qu'on la met dans le... Oh, putain. Ok. Maybe the radio will hold a charge longer if it's better insulated. Ah, it looks so cozy wrapped in the hood. So warm. I am super jealous of this radio right now. Ok. Better charge the radio again. Man, this cold weather just kills the battery stone dead. C'est pour ça que tu allais faire tourner ta bagnole l'hiver. Oui, je suis d'accord, mais quel est le principe physique qui fait que le froid décharge les batteries de bagnole ou de radio, quoi, tu vois? Est-ce que c'est parce que ça gèle l'acide et que du coup, la réaction se fait pas? Tu vois ce que je veux dire? On va commencer là. Et on va faire ça. Triangulation time. Ok. Triangle. Chut, on écoute. Ça va être bien là. Ok. Maintenant. Triangulation time. Non mais non. Va-t'en. Là, on descend et on va à l'autre côté. Triangulation time. Allez. Triangule. Triangulation time. The source of the signal must be somewhere in that area. I better get Hallowell. Nickel. Nickel, nickel. Oh là là. On va faire une sauvegarde là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un porte-avions dans la glace. Jesus Christ, look at that place.
It has turrets. Turrets. We need to find a way in. Turrets, Harper, like the kind armed guards shoot you from? We need the cops, or the Mounties, or... La police montée canadienne. We can't go back now. Maybe we can sneak in through an air duct or something. Okay. Air ducts? You think you're John McClane now? I think I'm trying to think of a way to help us. Maybe you should too. Well, maybe thinking is not your forte. You're going to get us both killed, jackass. Well, maybe you're... What? Huh? Incubation, ça fait incubation un petit peu, non? There must be some other way inside. I was a master of the snow level in GoldenEye 64. How hard can it be? Ah, trop bien. Vous avez joué à GoldenEye sur 64, hein? Moi aussi. J'avais pas de 64, mais j'y ai joué un petit peu chez des potes. Ok. Professor McBride must be some... Bâtiment, bâtiment, bâtiment. Rien. Pourquoi est-ce qu'on a toujours le... It's picking up some kind of transmission. Ok, on va avancer. Hey, Hallowell. I found something. The HQ must extend underground. Who's the idiot? Ah! Harper! Oops. Oops. What the? Oh my. Hello, Al? Help! Crie pas, t'es con! Huh. Interesting. Ah! Je suis tout seul! M'entends pas. Intéressant. Deux problèmes pour les batteries et le froid. Un, ça ralentit les réactions électrochimiques de la batterie, ok. Et deux, ça augmente les résistances électriques de tous les composants, augmentant la consommation. Ok. Merci, Natomadis. Effectivement. J'aime apprendre des choses. Alors, on a un plafond. Hello, well. Ok. Donc, non. On a une niche. Qu'est-ce que c'est? A shallow alcove. Ok, ça sert à quoi? Sauvegarder, on avait dit que je voulais sauvegarder. Sauvegarder, là. Ok, là, y'a rien. Une autre niche. Nice alcove you got there, Pendril. D'accord, des tuyaux. Well, what do you know? Il va falloir se cacher là-bas. More pipes. More pipes. Là, y'a rien. Là, y'a une sonnette. Et une porte. That's a massive door. I can't open it with my bare hands. On va sonner et aller se planquer, c'est ça? Hello? Oh, il a un taser. Il a un taser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh là là. Oh, on peut pas lui tendre un piège, genre... Hey, I think I have an idea. Ok. Il va venir. What the... I... Intruder! Ah bah oui, c'est à distance les tasers. Merde. Ça, il se pose pas trop de questions, le garde. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ça a foiré. Ah, ok. Le truc, c'est que... Comment faire pour... Faut le faire sortir un peu plus loin, en fait. What the... Who are you? I... Intruder! Oh, genre ça a dit... Putain, je... Merde. Est-ce que je peux me mettre là?
A dark little... Kinda useful looking, but too small to squeeze my whole meat. Ok, donc il y a un truc, autre chose à faire. Est-ce qu'il faudrait que je mette la radio... Ah! Il faut que je mette la radio à tous les coups, là. Pour faire du bruit. Yes. Ok, c'est bon. Donc on sonne, on va se planquer, il va être attiré par la radio, il va se casser la gueule. On lui défonce le petit. Who's there? Hello? What you saying there? Sorry, I'm not getting it. Harper Bendrell, you are becoming something of a badass. I better get moving. Ok, il rentre. Je voulais récupérer la radio, moi, en fait. Non, c'est... ok. J'espère qu'il a pris le taser. Ok. Il a pas pris le taser. Fuck. Dans re-sauvegarde. Je vais voir si je peux ressortir avant. Je peux pas ressortir a priori. Le vestibule. I'm not usually the kind of guy to say bad vibes. But this place has bad vibes. Blood is cold. The bonds of brotherhood. Blood is cold. What? Oh, salut. But the efficacy of prototype treatments is way below estimates. We started the experiment too early. We had no choice. The Greystone cell betrayed the cause. Even the strongest, healthiest test subjects have died. If they died, they were not strong. But if we can't find that Pendrell kid, it could be unstoppable. It could come here and... Are you afraid? If it is the votary's will, I would welcome it. Of course. Yes, of course. Okay. Well, I guess this horrible music is supposed to calm the cult folks down, but it's just as creepy as those wacko announcements. C'est vrai que c'est bizarre. Hein? Ok. Je vois rien ici. Et apparemment, on peut pas aller plus loin. Ok. J'ai quand même, je serai de retour bientôt normalement. Ça marche, Nato m'a dit bon app. J'ai faim aussi. Welcome to the Death Star Motel. We hope you enjoy your stay. On va essayer la 2A. Même chose. Gert, you're with me. I'm Tony. Where's Gert? I think she's with Rudiger. I'm Rudiger. God damn it. Adepte de secte anxieuse, adepte de secte rigide. Jour. Excuse me. What do you want, brother? Someone asked me to take a message to the prisoner. I don't understand. Which phalanx do you belong to? You know what? I must have misunderstood. Pardon me, sister. Well, they act all culty and polite, but everyone seems on edge. Mm-hmm. It's like being in the dugout during a baseball game. Okay. Okay, on va pas les tuer non plus, hein. Pas les stab à coup de couteau. Qu'y a-t-il par là? Même chose, j'imagine. Oh! Oh! Désespéré. Truc de secte. Carte de membre. You okay? Il nous faut la carte. Greetings, brother. Sorry, I'm new. Just prepping for induction. Have we met?
I just got here pretty recently, too. Have you met Harper? I'm Gary. You seem to be struggling with something? No. Well, it's the creed. The creed? It's so stupid, because I know it. We all do. I'm just... I mustn't fail the votary. What's your problem with the creed? I keep stumbling over the words. I need to have it down before I get inducted. You want me to test you on the creed? Really? Would you? Sure. Close your eyes and focus. You're different from the others. Why are you helping me? Je me dis qu'il va falloir se rappeler de ça. Je me prépare. Il va falloir qu'on passe l'induction à tous les coups, l'initiation, je sais pas quoi, jusqu'à ce que ce spécimen inférieur comme toi ne savent pas l'éclairer. I just don't want an inferior specimen like you to fail the votary. No, brother, I won't fail, I promise. Close your eyes and give it a shot. I bide within the firmament a star, a surrogate below of man and beast, was born for life, oh là là. Death, in death to play my part, in brotherhood, to serve the inner peace. How did I do? T'as un peu buté sur les mots. You stumbled over the words a little. Keep studying. Damn. Stupid. No, no, no. A book, some pamphlets, cult stuff. Looks like some sort of ID card. Peut-être qu'on peut la faire partir. T'as pas tout retenu, moi non plus. Et on va lui reparler. Et... Greetings, sister. Greetings. You want me to test you on... Yeah. Close your eyes and give... I bide within the firmament a star. Okay. A surrogate below of man and beast. Was born for life, death. In death to play my part. In brotherhood to serve the inner peace. How did I do? C'est mieux. Well, you don't really sound like you believe what you're saying. But I do. I'll keep trying. Sir Garret. Sir Zig. Elle dit viscéral, pas vespéral. C'est vrai. I am. Greetings. Greetings. You want me to test you on the. Yeah. Close your eyes and give it a. I bide within the firmament a star. A surrogate. Below of man and beast, was born for life, death, in death to play my part, in brotherhood, to serve the inner peace. How did I do? Ok, j'ai noté ce qu'elle a dit et puis on verra bien. Ouais, je pense effectivement... c'est honteux. Disgraceful. You shame the votary. You're right. I'll do better. I swear. Greetings, sister. Greetings. You're afraid of the votary? No, she's like... We owe her everything. Without Aquila, I'd still be like some pathetic loser. Of course. Have you met the votary? Not one-on-one, but her sermons are so inspiring. Like simple truths that make us strong. It changed my life. I hate the person I used to be. I'm supposed to be interrogating McBride. You don't happen to remember where we put him. Who? Never mind. Mm. I was just about to head over to the virus containment zone. You been there lately? You mean incubation? No. My pass is level 1. Only the dorm and study areas. Okay. Hopefully I'll be able to serve the cause better after induction. Good luck, sister. How long have you been with Aquila? Since my aunt threw me out, about 18 months. Joining, it totally changed my, like, perspective. It made me realize I could be part of something special, important. I gave all my savings to the cause and I didn't even miss it. I don't miss anything about my old life. Are you still in contact with your aunt? Is this a test? Of course not. No, I mean,
Was it difficult to leave her behind? It was the best choice I ever made. I hope the virus gets her. Oh. What? Keep it up. Goodbye, brother. Okay. Damn. Est-ce que... Stupid. What's an Aquila ID card good for? Access to the cult gym? Free brainwash pills of the food court? Okay, donc on s'en fout. Man, I'm starving. It feels like I haven't eaten for weeks. Ok, donc on sort, on va essayer autre chose. Donc 2B, il n'y a rien d'autre entre les deux. Ok, 2B. C'est encore des dortoirs. You're with me on perimeter from 2300 hours. Yes, sister. But I was scheduled to scrub down rooms 3 to 6. That'll have to wait. McBride's been quartered in 4B. Huh. 4B. You know, I was looking forward to kicking the truth out of that fatso. Have faith in the votary's wisdom. McBride's a smart man. He made the smart choice. What? Quelle décision il a prise? 4B, huh? On va avancer pour voir, mais je pense qu'il n'y aura rien d'autre. Ok, ça arrache. De toute façon, on va toutes les faire, hein, les salles. Donc, elle est juste à côté, à la phobie. Ok, il n'y a rien ici. Elles se ressemblent toutes, les salles, c'est marrant. Ok. Those yellow suits were talking about room 4B. This must be where they're holding Professor McBride. Ouais, mais alors comment on l'ouvre? Il faut une carte. A card reader. It must need one of those ID cards all the Aquila guys carry. Weakness is death. It is a mercy to speed the... Ouais, on a pas le code. Looks like an elevator to the other levels. Okay. Peut-être qu'on peut peut-être choper sa carte maintenant. Mais elle a dit que son passe la laisserait pas passer, c'est ça? No. I can't just grab it. She would notice. Wrong again. Greetings, sister. Greetings. You want me to test you on the... Yeah. Close your eyes and give it a shot. I... But Zurek was born for light in Brotherhood. Ah. How did... Ah! Well, it... Ah! Really... On peut bouger pendant qu'elle fait ça! Greetings, sister. Greeting. You want me to test... Yeah! Close your eyes and give it a shot. I bide a surrogate below of man and beast. Was born for life, death, in Brotherhood. Looks like your basic Aquila starter pack. How did I do? C'est mieux. Well, it's... You don't really... But I do! I am so... Cool. Si j'avais pas cliqué pour spam, je l'aurais pas trouvé. Carte de membre. Cool. Merci. Professor. Finally. Thanks for coming. I've modeled the numbers from the latest field report. Would you mind popping them up to the votary? What? Oh, damn, you know, actually, I'll go myself. She's bound to have questions, and I could use the exercise. Sorry I troubled you. Enculé? Vendu? What the hell? Psst, Harper, is that you? Hallowell, how did you get in here? You know, through an air duct. Comme McLean. What's going on with Professor McBride? Is he working for them? I always suspected he knew something he wasn't telling us from his time at RHC. But I never imagined he would... I don't believe it. He wouldn't. Harper, you heard him talking about this votary. He's helping them. I overheard something about the virus. What? They're nearly out of it. They have all the remaining stock right here in the base. Are you sure about that? That's what I heard. Good.
Okay. I'm going to search the room. Stay where you are. Alors, qu'est-ce qu'on a? Conduite d'aération. Ouais. Non, I'm going to search the room. Stay where you are. Okay. Poubelle. Oh mon dieu! Code d'autorisation. On va le noter avant. NF. GR. SS. W. Nefiger Surfer. Cher Harper, je ne te dirai pas à quel point je suis désolé. Tu mérites beaucoup mieux que cela. Tu mérites de connaître la vérité sur ce qui t'est arrivé. J'avais 4 ans. J'étais chargé de te garder chez moi à Yaltown. Je pensais que tu dormais et j'étais absorbé par mon travail. Je sais pas comment tu as grimpé sur ma table de labo et t'as trouvé un des échantillons sur lequel je travaillais. Je t'ai menti et ta mère aussi. Je lui ai dit que c'était une réaction allergique. Pardon. Je t'ai gardé en isolement et ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour combattre l'infection. Ce fut la pire nuit de ma vie. Je ne savais pas à ce moment-là. Pardon. 2 secondes. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais tes globules rouges sont définitivement déformés pour empêcher que le virus ne se développe. Ah là là, c'est pour ça qu'il n'est pas... J'ai avalé de travers juste avant de lire, c'est pas pratique. C'est pour ça qu'il s'est pas fait infecter en fait. Alors ça, ça a été barré. Fabriquer les virus, il se peut que tu aies du mal à comprendre, mais c'était être à l'avant-garde de la science. Combien de pères de famille pratiquants fabriquent des missiles à leur travail? J'ai toujours été doué. C'est peut-être fait exprès, il y a les fautes d'orthographe, en fait. Pour réprimer mes sentiments. C'est pour ça que j'étais utile à Aquila, utile à elle. Mais après, tu es tombé malade, j'ai trouvé ça plus difficile. Après que tu sois tombé malade, j'ai trouvé ça plus difficile. Et puis, il y a eu l'accident de Kaona. On aurait pu sauver ces gens comme je t'avais sauvé toi. Mais elle les a laissés faire. Elle s'est juste contentée de prendre des notes. Alors j'ai pris mes travaux et je suis parti. On m'a excommunié, anéanti. Et j'ai coupé les ponts avec mes amis les plus proches. La fille que j'aimais depuis l'université, la femme que j'aime. Je croyais que ça s'arrêterait là, ou du moins je l'espérais. Quand j'ai appris que la RHC gérait l'épidémie à Yaltown, j'ai tout de suite su que Aquila était derrière tout ça. C'était que quand tu t'es remis de la fièvre que je me suis rendu compte qu'ils travaillaient encore avec mes échantillons originaux. La nouvelle souche qu'ils ont développée est beaucoup plus virulente, mais tu es encore immunisé contre les cellules souches de ta moelle osseuse. Contre. Les cellules de ta moelle osseuse sont primordiales pour produire un vaccin en série. Ça fait de toi la personne la plus importante au monde, Harper Pendrell. Rends-toi immédiatement dans mon labo à la PNU. Va voir le professeur Rajan et raconte-lui toute l'histoire. Elle ne sait rien de cette affaire. Ne pars pas à la recherche d'Aquila. N'essaye pas de me trouver. C'est trop demandé que d'espérer que cette lettre te parvienne. Je suis désolé d'avoir entraîné là-dedans. Ne me juge pas trop sévèrement. Je ne suis qu'un vieillard stupide. A foolish old man? What the hell? Harper, what is it? The reason I recovered from the fever. I had it before. I got infected at McBride's house when I was a kid. He infected you? He says it was an accident. As if engineering viruses is the most normal thing in the world. Another cup of coffee, hun? A slice of homemade bubonic plague? Harper, keep your voice down! Oh, sorry. I'm just a little upset. Is everything in order? Oops. Yes, the... Votary sent me to fetch some documents. Very good. Hallowell. Psst. Hallowell. Ah, damn. Ouais, c'est barré pour le coup. Ok, là y'a rien. Bureau. The desk is covered with McBride's notes. It's all science stuff I don't understand. Ok, bureau, y'a rien, bureau... Being kidnapped doesn't seem to have gotten in the way of McBride's work. I guess it was always about the science for him. I used to wonder what he thought about us dead-end Yaltowners. I guess he really didn't think about us at all. Bureau... Y'a rien... Ah, on a les haut-parleurs, ok. Bon... Qu'est-ce qu'on fait du coup? Y'a rien d'autre. Hein.
Sash. Merci, Avia. Ok, donc on a le code maintenant. C'est NFG. NFG. RSSW. R. S. Et W. Aquila Rising. Ok. Your struggle, brothers and sisters. Oh là là, ok, on a une porte là, là y a rien, là y a rien, y a une, allez, on peut même pas se planquer là. Je vais re-sauvegarder. Au cas où. Et on va aller voir là-bas. Qu'y a-t-il derrière cette porte, Mister? Oh là là. Yes, do you have clearance to be here? Je suis ici pour rétalonner l'unité de confinement du virus. I'm here to recalibrate the virus containment unit. That's why I'm here. You must have made a mistake with your rota. I bet you're right. I'll go check. Oups. Donc faut peut-être une meilleure raison en fait pour aller là. On va voir ce qu'il y a à droite. On a rien. Il y a une porte. Je sais pas si ça va être une pièce ou ça continue le couloir. Wow. I know this. This is the place Cordero built back in Greystone. Hey! Uh-oh. Welcome to Aquila's induction program. This is the final step on your journey to self-actualization. Please sit in the chair. I don't think so. It locked behind me. Ça craint. Welcome to Aquila's induction program. Please sit in the chair. I'd rather not. Jeez! Ah! What the hell? Please sit in the chair. J'ai pas envie. More tech like the stuff in the Greystone Radio Tower. Please, sit in the chair. God, that sound! Ouvre la porte! Not getting out this way. Va. Sit in the chair. God, God! Stop doing that! Arrêtez là! I can't open it. Ah bah, va falloir s'asseoir sur la chaise alors. That is quite a home entertainment system. I don't know if I want to sit in that. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Je vais baisser un peu. Sit in the chair. Please! Stop it! Sit in the chair. Si je prends merde ça. I don't think those things play nice together. Non. I don't think I can do that. No, I don't think that works. Ben. I hope I don't regret this. Faut s'asseoir sur la chaise. Hein. Trop le choix. Welcome to induction. Let me go. Welcome to induction. Let me out. My head's gonna explode. What is the first truth? I don't know. Let me out. What is the second truth? Essaye juste de respirer, tiens. Vive Aquila. Respire. Just. Try to breathe, Harper. Induction session extended. What is the third truth? Euh...
J'adore Aquila. I love Aquila. What is the fourth truth? Jamais manger de la neige jaune. Ah, doigt de pied, pied, jambe, bras. Oh, c'est pour méditer. Ah, c'est peut-être ça. Il y a eu le zoom, attendez. Toes. Feet. Legs. Arms. Induction session extended. What is the fifth truth? Ça zoom comme quand on avait essayé de méditer et qu'on s'était fait chourer notre... notre matos. Maison, maman. Home. Mom. What is the first truth? Ça zoom, ouais, c'est... Home. C'est ça. Induction session extended. What is the second truth? Respirez. Just... Try to breathe, Harper. Induction session extended. What is the third truth? Breathe in. Breathe out. Induction session extended. What is the fourth truth? Toes. Feet. Legs. Arms. Induction session extended. What is the fifth truth? Home. Mom. Oh. I just need a little time alone to think. Take out and shoot the three-legged mare. What? What? The ape climbs to the apex. Buddy, that's not helping at all. The salamander eats its brother. Cardero, focus. I need to get out of here. The worker ant carries four times its weight. Please, Cardero. The eagle! Oh, jeez. What is the first truth? What? Faiblesse est synonyme de mort. Hein. Froid et le sang. Ah, c'est ce qu'on avait entendu au... Ouais, c'est le sang est froid, ouais. Blood is cold. What is the second truth? Obedience is strength. What is the third truth? Je sais pas. Hein. Blood is cold. What is the fourth truth? Aquila rising. What is the fifth truth? Je sais pas. C'est là, on l'a pas dit. Man is a predator. What is the first truth? Sérieusement? Blood is cold. What is the second truth? La dame tout à l'heure parlait pas de ça. Bah, il me semble que si, non? Obedience is strength. What is the third truth? Non, pas la dame, mais la radio, le haut-parleur, en fait. Ouais, pas la nanette qui passait l'initiation, mais le haut-parleur, il disait ça, en fait. Man is a predator. What is the fourth truth? Aquila rising. What is the fifth truth? Blood is cold. What is the... Okay, ta gueule. Need to think. Take out and shoot the three-legged mare. The salamander eats its brother. The worker ant carries four times its weight. Oh, ok, je capte. Ça, c'est force. The eagle. Et Aquila. The eagle. Il nous aide, en fait. Oh, putain. The ape climbs to the apex. Oh, jeez. On va se la refaire. What is the first truth? Non, non. Need to think. Alors. The worker ant carries four times its weight. The salamander eats its brother. Donc ça doit être sang. The ape climbs to the apex. Singe. The eagle. Aquila. The eagle. Take out and shoot the three-legged mare. Oh, jeez. Shoot.
What is the first truth? Alors, donc, ça serait la force. Obedience is strength. What is the second truth? L'homme est un prédateur. Man is a predator. What is the third truth? Le singe grimpe en haut. Merde. Ah. Je sais pas. C'est bizarre. Ouais. Aquila rising. What is the fourth truth? Aquila encore. Aquila rising. What is the fifth truth? Et Weakness is death. What is the first truth? Le truc c'est qu'il échange rien. Donc là ça commence pas. Aigle, ça va essayer Aquila. The eagle! The worker ant carries four times its weight. The ape climbs to the grimpe. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Take out and shoot the three-legged mare. Ça, c'est la jument. The salamander eats its brother. Manger. Oh, jeez. Ok. What is the Alors, first en fait, truth? Genre, là, parce qu'il dit l'aigle, donc c'est Aquila. Aquila rising. What is the second truth? La deuxième, c'est la force, donc c'est obéissance est synonyme de force. Obedience is strength. What is the third truth? Merde. Je vais manger. Ah. Celle-là, je sais pas. Celle-là, peut-être. Grimpe, c'est la. Ouais, c'est ça. L'homme est un prédateur, c'est pour celle, c'est pour la dernière. Donc c'est soit faiblesse est synonyme de mort ou froid et le sang. La jument, donc ça doit être froid et le sang. Blood is cold. What is the fourth truth? Là c'est la jument, donc faiblesse est synonyme de mort. Weakness is death. Et enfin. What is the fifth truth? Manger. Man is a predator. What is the first truth? Need to think. Et ça change à chaque fois l'ordre. Ce qui est chiant. Take out and shoot the three-legged mare. Jument. The eagle! The eagle! The eagle! The eagle! The eagle! The salamander eats its brother. The ape climbs to the apex. The worker ant carries four times its weight. Oh, jeez. Jument, aigle, manger, singe, force. Donc, jument. Quelqu'un bute la jument. C'est soit obéissance, soit faiblesse est synonyme de mort. Puisqu'il a trois pattes. La jument a trois pattes, donc elle se fait tuer. C'est faiblesse. Is death. What is the second truth? L'aigle. Qui la s'élève. L'aigle. Aquila rising. Hein? What is the third truth? Manger. Donc l'homme est un prédateur, l'homme mange. Man is a predator. What is the fourth truth? Le singe grimpe au sommet. C'est là où c'est, j'ai un problème en fait. Et ensuite ce sera la fourmi qui porte. Donc ça ce sera le cinquième. Là. Je comprends pas le singe. Le singe grimpe. Est-ce que ça serait une seconde fois Aquila? Mais non. Le seul truc qu'on n'a pas dit, c'est froid et le sang. Blood is cold. What is the fifth truth? Et enfin la force. Obedience. Parce que la fourmi obéit et. What is the first truth? Non, c'est pas ça. Je ne comprends pas le froid et le sang. Je comprends pas. Need to think. Et le singe. The salamander eats its brother. Donc ça c'est le prédateur. Take out and shoot the three-legged mare. The eagle. The eagle. The eagle. The eagle. The eagle. L'aigle.
The worker ant carries 4 times its weight. The ape climbs to the apex. Oh, jeez. The ape climbs to the apex. What is the first truth? Tu penses que le singe, c'est qui la célèbre? Ouais, mais l'aigle, c'est quoi alors? Si le singe, c'est Aquila s'élève. Aquila, je rappelle que ça veut dire aigle. Aquila, ça veut dire aigle. C'est pour ça que Aquila s'élève, c'est l'aigle qui s'élève, quoi. La mort, c'est froid. Coucou Parsi, bienvenue. Faiblesse est synonyme du mort. Non. Faiblesse est synonyme du mort, c'est la jument. Puisqu'elle a la jument, elle a que 3 pattes. Et du coup, elle se fait tirer dessus parce qu'elle ne peut pas courir. Donc, elle a une faiblesse. Ce qui veut dire qu'elle va se faire buter. Donc, c'est sûr à 100%, la jument, c'est la faiblesse. L'homme est le prédateur. La salamandre mange son frère. Ah, c'est là où je me suis trompé, je pense. Ah, yes. C'est là où je me suis planté. Ok, j'ai compris. Prédateur, c'est le singe. The worker ant carries 4 times its weight. Donc force. Take out and shoot the three-legged man. Faiblesse. The ape climbs to the apex. Singe. The salamander eats its brother. Manger. The eagle. Camoulox, carrément Camoulox. Le sang-froid de la salamandre, ouais, c'est ça. What is the first truth? Alors, la première vérité, c'est obéissance est synonyme de force. Obedience is strength. What is the second truth? La faiblesse, synonyme de mort. Weakness is death. What is the third truth? Donc là, c'est le singe qui grimpe. C'est l'homme qui est un prédateur. Je pense. Non. Si. Man is a predator. Ensuite, c'est la salamandre qui mange son frère. Donc, froid et le sang. Blood is cold. Et enfin, l'aigle. Aquila rising. Moi, c'est ça. What is the first Fuck truth? You! Putain! Non! Ah, c'était ça! C'est un jeu de merde. Putain. Alors, on a faiblesse. Je vais tout noter parce que... Froid. Sang. Qui là? Homme. Prédateur. Obéissance. Force. S'il se trompe, il est torturé, l'ambiance a l'air glauque. L'ambiance est assez glauque, ouais. Need to think. The worker ant carries 4 times its weight. The salamander eats its brother. The ape climbs to the apex. The eagle! Take out and shoot the three-legged mare. Oh, jeez. Bon. On est d'accord What que... What is the first truth? Parce qu'on est, on est sûr que faiblesse, c'est jument. On est sûr que la fourmi, c'est la force. Aquila, ça devrait être l'aigle. La salamandre mange son frère. Oui, ça peut être que ça. Salamandre. Et l'homme prédateur, le singe, je comprends pas. Ou alors... On va réessayer, hein. Je me suis peut-être planté. Donc, en premier, c'était force. Obedience is strength. What is the second truth? Salamandre.
blood is cold. What is the third truth? Man is a predator. What is the fourth truth? Aquila rising. What is the fifth truth? Weakness is death. What is the first truth? Oh putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Les sangliers sont lâchés, je répète. Les sangliers sont lâchés. C'est... Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites. Putain, je... Est-ce que ça n'aurait pas de rapport avec avec ce qu'il dit Parce qu'il change l'ordre à chaque fois, en fait. The eagle! The worker ant carries four times its weight. The ape climbs to the apex. Take out and shoot the three-legged mare. The salamander eats its brother. Oh, jeez. Donc, je... What is the first truth? Je comprends pas. Est-ce que... on a compris qu'il gueule. Ouais, il gueule, lol. Je suis en train de me demander si ça bug pas, parce que... Je comprends pas. Donc en théorie, là, l'aigle, ça devrait être Aquila. Aquila rising. What is the second truth? Les fourmis. L'obéissance, c'est une de force. Strength. What is the third truth? Le singe. C'est là que, ça, que le bas blesse, je pense. L'homme est un prédateur. Le singe grimpe au sommet. Bah oui! Le singe, c'est l'homme. Man is a predator. Prédateur. What is the fourth truth? Là, c'est la jument qui tire sur la jument à trois pattes. Faiblesse. Weakness is death. What is the fifth truth? Et enfin, salamandre. Le sang-froid. Blood is cold. What is the first truth? On verse une fois l'aigle avec obéissance et singe aigle se lève. Si tu veux, ok. Need to think. The eagle! The worker ant carries four times its weight. The ape. Climbs to the apex. Take out and shoot the three-legged mare. Jument. The salamander eats its brother. Oh, jeez. Okay. What is the first truth? Hein? C'est le même ordre que celui d'avant. Toujours le même problème que ça. Tu es juste tellement tordu par moment que tu te demandes si ça bug pas. Bah ouais, mais le truc c'est que là c'est logique, il y a une logique, on a trouvé la logique en fait, c'est pour ça que je comprends pas. Renato m'a dit, on est ne pas spécialement en mauvaise posture, enfin oui, enfin on il y a un puzzle en fait, un petit truc de petit jeu de réflexion et on pense avoir trouvé mais ça marche pas. Alors Avia veut, tu veux inverser l'aigle avec obéissance et singe avec hein, inverse une fois l'aigle avec obéissance. Ouais, mais c'est pas logique du tout, Avia. Ouais, mais si j'ai calé la logique et pour moi t'étais bon, mais là je suis déjà perdu. Ouais, je comprends pas, Avia. Inverse une fois l'aigle avec obéissance. Donc le premier, ça devrait être l'aigle. Donc tu veux que je dise obéissance est synonyme de force pour l'aigle. Ok. Obedience is strength. What is the second truth? Et tu veux ape. Avec l'aigle s'élève, d'accord. Et ensuite, on a les fourmis.
Fourmier, c'est force. Obedience is strength. What is the third truth? Ah mais non, puisque tu m'as dit que l'obéissance pour les fourmis. Non, c'est pas logique. Need to think. Leur aigle, leur obéissance. Singement aux arbres. Take out and shoot the three-legged mare. Okay, jument. The salamander eats its brother. The eagle, the eagle, the eagle, the eagle, the eagle. The ape climbs to the ape. Oh, j'ai une idée. The worker ant carries four times its weight. Oh, jeez. What is the first truth? Non. Ça, je pensais que ça mettait toujours dans le même ordre, mais... Il y a deux fois une même réponse. Bah ouais, avec ton truc, c'est pas possible. On a déjà fait, en plus. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Man is a predator. What is the second truth? Blood is cold. What is the third truth? Weakness is death. What is the fourth truth? Obedience is strength. What is the fifth truth? Mais c'est pas logique. Aquila rising. Hello? Oh! Mais y'a aucune logique. Hello? Can I go now? Rupert was right. There's more to you than meets the eye, Mr. Pendril. I've never known a subject so resistant to induction. Why, it's as if you had no brain to wash. His girlfriend must be here somewhere. Dispose of her. Mom. No, stop! I know you. You're that politician, Thurlow. Senator Thurlow, if you don't mind. Although round here, folks call me Votary. You attacked Yelltown! I ran a field experiment. The aim was to test prototype treatments for VHOV. I admit there were unforeseen incidents. Silverdale's attempt at sabotage forced us to start a little early. But it brought you here to me, so everything worked out peachy. C'était quoi alors? Bah alors en fait, alors c'est pour ça que je dis que c'est pas logique. Enfin si, il y a une logique, mais en gros ce que j'ai fait, c'est que vu que le tout premier il se terminait par aigle, je m'en rappelle. En fait je pense que ça buguait un peu et que il fallait utiliser la combinaison, que la combinaison changeait jamais en fait. Et Caldero, en fait, Caldero, il disait les trucs dans le désordre, mais il fallait se baser sur la toute première combinaison, parce que au final, les vérités, elles changent pas. C'est toujours les mêmes vérités pour le culte, pour la secte. Du coup, en fait, j'ai pris le même ordre que le tout premier truc qu'on a eu, vu que je l'avais noté, qui était... je me rappelle plus. Enfin bref, voilà. Donc j'ai pris le tout premier ordre, et c'était ça. Ce qui n'est pas logique parce que y a des gens qui ne vont pas le noter, quoi. Voilà. Moi, je l'ai noté et je pense qu'il y a des gens qui ne l'auraient pas noté. Alors oui, c'était... voilà, je l'ai là. C'était prédateur, sang, faiblesse, obéissance et aigle. Je m'en suis rappelé parce que l'aigle était à la fin, en fait. Donc, bon. Et j'ai noté plein de combinaisons, là, donc bon... Bref, je trouve ça débile, mais bon. Peut-être fallait sortir de la chaise et recommencer. Non, je pouvais pas. J'ai essayé. Peut-être un souci sur la trad. Non, c'est pas la trad, parce que c'est vraiment le... C'est vraiment Caldero qui dit les trucs dans le désordre, alors qu'il devrait les répéter dans le même ordre pour que le joueur capte, en fait. Mais bon. C'est pas grave. What do you want from me? Well, it ain't your good looks. Rupert tells me you're resistant to VHOV. That makes you very special indeed. I'm going to extract a teensy sample of your bone marrow and use it to produce a vaccine.
In med school, I always lost marks for bedside manner. Can you believe that? Ouch. Now try to relax, because this is gonna hurt like hell. No! Why do you want the vaccine? There'll be time for all that after I take the sample. Or maybe not. I don't really care. Hold still. No! Faudrait pas qu'il soit sur le dos pour lui prendre de la moelle épinière. Ouch. Ça fait mal quand t'es pas anesthésié. What a brave boy. Try not to bleed out now, you hear? Harper! You found her, Rupert. Good job. Anywhere. Hallowell. Let her go. It's so nice that we're all getting to know each other at last, but I've got my vaccine and a plane to catch, so... I got my vaccine. Ça doit être la moelle du ventre. Ouais, ça doit être ça. Hein. Comment ils les ont fait marcher, c'est Kill bizarre. Kill the girl. Oh. Wait! Won't you at least tell us why you've done all this? How charmingly gauche. Pendril, now you're supposed to say, you'll never get away with this. You will never. Not a great line, Reading. If you want to know why, Rupert can tell you. You first told me the idea when we were students. I don't think I believed you could really do it until Yelltown. The plan was to conjure up the fear of a worldwide pandemic, then cure it. Play the hero. Sylvia becomes the head of the Global Health Initiative, with all the power that entails. And then... And then lather, rinse, repeat. A world without sickness is possible. No. I can't let that happen. From the big Grand Coulee Dam to the H-bomb, we have put science to work for us. Why not disease, too? What about the innocent people who die? In Yelltown? Greystone? Set dressing. Why are you helping her, Professor? Was this your plan all along? No, I swear it. It isn't easy to betray someone you love. I'm sorry. Sorry? Is that supposed to make... Looks like the milk of human kindness has finally turned sour. Retwista. Merci. You're a murderer, Thurlow. I'm a politician. That means making the hard choices. If a politician offers people hope, she'll only end up disappointing them. But if I give people something to fear, offer them safety, order, keep the good people healthy, the bad people sick, well then, folk will sell their own skins just to huddle under my wing. Ouais, ok. Vous êtes malade! This is insane! You can't believe all that apex predator bullcrap! Of course not. But I know folk will die in their boots for a catchy slogan. So it's just about power. What in the hell do you mean, just about power? I'm about to save a million lives. I'm a national hero. Who wants to touch me? Just kidding. I would never let any of you touch me. I've heard enough. You and me both. I got what I came for. Rupert, sedate the boy. And shoot that snooping gutter rat. No! Sérieux? Le jeu, allô? What the fuck? Pourquoi est-ce qu'on revient à ça tout le temps? Je comprends pas. Ok, nouveau puzzle. Puzzle. Tac. Ah merde, ça arrive par là, autant pour moi. Donc je suis obligé de le faire comme ça, ok. Là. Ah! Tac. Tac.
Non, on va le mettre comme ça. Ah mais celui-là... Ça sert à rien que je fasse ça. Je suis obligé de faire ça comme ça. Pour pouvoir l'activer, ok. Là on n'a pas besoin de comme ça, on peut le mettre comme ça. Tac. Ok, ici, ça, ça va pas aller là. Ok. Ta-da-da-da-da-da. Ah, allez, oh là là. Tac, tac, tac. Ok, on n'a pas besoin de ça comme ça, on peut le mettre comme ça. Ok, alors, il ne manque plus qu'un à activer, c'est celui-là. Si je coupe tout ça, ok. Donc, il va arriver soit par là, mais il ne peut pas arriver par en bas puisqu'il n'y a rien pour l'envoyer. Donc il va arriver forcément par là. Donc fatalement, voilà. Nickel. Chapitre 5, il n'y a pas de chapitre 5, on m'a dit. Tu mens le jeu. Ah. Professeur. Professeur. McBride to Devlin. Halliwell is in incubation. You bastard! Keep her there. We have Pandro too. I'm on my way. Why did you have to come here? Ben, pour te sauver. To rescue you. But that was before we knew you were two-timing us for some old flame. No, it's not as simple as that. It's exactly as simple as that. You're working for them. Damn and blast, I should have told Harper everything. Then tell me everything. Why are you doing this? Devlin will be here soon. Est-ce que c'est si bien lavage de cerveau comme tu... qui est cette femme? Have you been brainwashed like the yellow suit guys? No. I thought I was protecting you and Harper by coming here without a fight. And then I saw her again. Sylvia Thurlow. She's the votary. As in Senator Sylvia Thurlow? Ms. Global Health Initiative? What a scoop. I mean, that's insane. I know. I know. How can you work for Thurlow? After what she did to Yelltown? What she's done, it can't change the way I feel about her. It's in my bones. It's like falling back into an old habit. I didn't plan this, but I'm not strong enough to fight Sylvia. If I help her find a vaccine, at least there will be a vaccine. You're pathetic. T'es pitoyable. Harper needs... Cornered her, Rupert. Good work. Is the boy with Sylvia? Aye, aye. She's prepping him for surgery. Come out, Miss Halliwell. Come out? Ah, on joue... ok, d'accord. Je vais sauvegarder avant. Cas où on meurt. Alors... Professor, help! That won't help, darling. Smart guys like Rupert always join the winning team.
enculé. Va te faire. Screw you, Devlin. I don't believe we've been properly introduced. I recognized you from Harper's description of your eyebrows. You're funny for someone who isn't holding a loaded firearm. Oui, sauvegarde maintenant que t'es sur un jeu qui peut carrément, on va pas s'en passer. On va pas se priver plutôt. Comment peux-tu être sûr que je ne suis pas armé? J'ai quelque chose encore mieux qu'un pistolet. I got something better than a gun. Why don't I believe you? Juste que tu dois avoir du mal à faire confiance aux gens. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour détruire ton virus. I can destroy your virus with the flick of a switch. Oh yeah? How? By raising the temperature in there to boiling point. Can she do that, Rip? I don't know. If she's gained access to the... I mean, if she's rerouted the... It's possible. Aha! Christ. Wait. Damn, it can't depressurize yet. Damn, it can't depressurize yet. J'avais autre chose à faire. Ah! Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Lock him in, professor! The panel, now! Allez! Yes! Thank God! I don't think... You need to get out of here. No. Devlin said Harper was with her. Take me to them. It's too dangerous. I can't believe you called Harper a coward. I hope you know what you're doing. I don't. I just have to follow this story to the end. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il se passe? I've heard enough. You and me both. I got what I came for. Rupert, sedate the boy. And shoot that snooping gutter rat. Hein? No! Qu'est-ce qui se passe là? It's okay, Harper. I'm okay. Ah, on revient sur... Ok, d'accord. No! No, stay away from me! Ok, d'accord, c'est un flashback là. Tout va bien, on peut lui faire confiance. It's all right. We can trust him. But he... He helped me turn up the heat on the virus stock. We did it. Harper, I'm... Don't want to hear it. You just let her get away. On était dans un flashback, en fait. Something's wrong. Et là, on reprend la trame, le présent, en fait. The boiler. The climate controls are malfunctioning. The superstructure may not be able to handle such a drastic change in... Okay. What's happening? We need to get out of here. Tranquille en poussant le chariot. OK. Come on, we've got to get going. OK, on se barre. On se barre. C'est moi qui déplace le chariot, ouais! Ça fait penser à Wolfenstein où on joue à. Blazkowicz en fauteuil roulant au début. Bah, toi, vite, plus vite! Allez! C'est spécial, hein! Y a un petit sentiment de. Faut se dépêcher, mais. We can't get the gurney through there. Can you walk, Harper? No one leaves. Oh, l'enculé. Hello. You. Drop the gun, Devlin. It's finished. I just need to tidy up. Comment est-ce que t'as fait pour t'échapper? Laisse tomber. Give it up, Devlin. Your pathetic little clubhouse is on fire. Rot in hell.
No! Professor! Professor, are you okay? Not great, actually. Don't worry, Professor. We'll get you out of here somehow. What a terrible mess. I'm so sorry. Professor, I have to tell you. Tiens, ce que vous avez fait, c'est mal. Allez, on lui pardonne, on est gentil. I forgive you. I mean, I'm real mad at you. You were an idiot. But I want to forgive you. Is it Harper there? Yes, it's me, Professor. Such a fine boy. You must bring your mother round to dinner sometime. I will, Professor. Professor? Oops. You made it. Everything's gonna be okay. LOL. You were right. This was a pretty dumb idea. Yeah, but it was the right thing to do, I guess. Come on, Harper. We gotta go home. How do we get down? Merde, y'a pas de téléphérique. Oups. Et ben voilà. It is with great relief that I can announce a breakthrough in the treatment of the Yaletown virus. C'est fait exprès, following a series of successful trials, a new vaccine will be made available in the affected areas. Our doctors will be able to save countless lives and in time arrest the spread of the disease. This is a testament to the tireless work of RHC and all our health professionals, but it is also a warning. We must establish a global health initiative to coordinate our response to emerging health threats like this. We must take action. We owe it to the people whose lives have been claimed in this tragedy. Senator Thurlow speaking at a press conference earlier this week. However, a covert recording purporting to be of the senator strikes a very different tone. A world without sickness is possible, and I can't let that happen. From the big Grand Coulee Dam to the H-bomb, we have put science to work for us. Why not disease, too? What about the innocent people who die? In Yaletown? Greystone? Set dressing. The other voice you heard was Jane Halliwell, who posted the recording on the Port Nicola Times blog today. Halliwell's piece made a series of explosive allegations. Talk radio. Where is she, Duke? And where is she? Well, Senator Thurlow has not issued a statement or appeared in public since the tape emerged. A spokesperson for the House Committee on Healthcare condemned... Oh my God! Can't you see how huge this is? This is so huge! How does it feel to be a national hero? Well, you're the national hero. I'm just some patient zero nobody's ever heard of. Then how does it feel to be in a national hero's apartment? Pretty amazing. I know, right? I can't believe we did it. I know, right? To think that a brilliant megalomaniac could be defeated by a brave but educationally subnormal handyman. Yeah, pretty scary, huh? What are you doing with your face? Just felt like kind of a kiss moment. Nope, different kind of moment. Oops. Okay. Yes. Good. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Cool. Guérison miraculeuse de Harper pour rendre la marche un paraplégique. Tirant en l'air avec un 9 mm surpris, il se lèvera de son brancard.
Bah, je pense qu'il était juste un peu choqué puisqu'il venait de se faire ponctionner le lombairement. Il a juste rampé un petit peu, on va dire. Bon, mais en tout cas, c'était bien cool. Bon jeu. Et puis, ben, challenge, défi relevé et terminé. On a fini Mages of Mistralia et Unforeseen Incidents avant le mois de l'horreur. Il y a juste Goblins 3 qu'on n'a pas fini. On a fini Unwarsea aussi. Donc, voilà. Elki, y en a marre de prétendre que c'est dur. Ça fait deux jeux que tu finis à temps. J'avoue. Je m'attendais pas du tout à le finir aussitôt, en fait. C'est pour ça que j'ai demandé une heure de plus à Elkinet. Du coup, la question maintenant, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous laisser décider, à la limite. Alors, donc, soit on peut s'arrêter maintenant. Voilà, au revoir, bonne nuit, tout ça. Soit on peut faire la découverte de Bard's Tale 4. Une découverte d'une heure. Soit on fait quelques YOLO Kinou. Voilà. Tu vois, Takinette, tu lui fais des câlins surprise. Ça peut être ça, effectivement. Ça peut être ça. Parce qu'elle m'a dit ok, une heure de plus, mais alors tu restes avec la petite hein, toute l'après-midi. Hein. Donc voilà. Après, j'ai bien envie de tester Bard's Tale 4. Tu camel Walid le jeu, ouais. Non, il était très très bien ce jeu. Très très bien. Je pense qu'ils vont en faire d'autres, à mon avis, ce studio-là. Surtout avec la même patte graphique, je pense. L'histoire se termine là, il n'y a pas de suite a priori, mais je verrais bien le duo Harper Eliwell dans d'autres aventures par la suite. Tu me laisses choisir, ok. Ça a l'air cool, même si j'ai vu que la fin. Ouais, non, il était très très cool. Et on a mis quoi 16 heures, je crois, un truc comme ça. Donc, il a eu son pesant de neurones. Et merci encore à Koima, qui m'a offert le jeu. Merci beaucoup, Koima qui est là. Bisous. Ok. Découverte de Bard's Tale 4, tu dis, Alex? Ok. Hello Micode nous laisse choisir. Ok, il n'a pas d'idée. Jusqu'à la découverte de Bard's Tale 4, ça va faire moins d'une heure quoi. Mais en fait, j'ai envie d'y jouer pour voir si je veux le faire en live ou si je veux le faire de mon côté en fait. Bard's Tale surtout. Puis surtout que là, ils ont sorti assez de patch, donc apparemment, il a l'air. Il a l'air bien, bien comme il faut là. Allez, je vous laisse avec les crédits comme d'hab et la musique. Découverte, ok, et ben on va faire ça alors. On va aller partir découvrir en 50 petites minutes Bard's Tale 4, voir ce que ça donne.
Il y a vachement de monde qui a bossé sur ce jeu quand même. C'est assez impressionnant pour un point and click. C'est chaud. Et si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino avec l'épisode numéro 5 et le dernier épisode de Unforeseen Incidents. Merci beaucoup et à la prochaine.